Conscient de ce que les droits de l'homme subissent de plus en plus d'assauts défavorables, le réseau des femmes leaders pour le développement en collaboration avec Civicus a organisé du 30 au 2 décembre 2020 un atelier de renforcement de capacité sur les droits de l'homme et l'espace civique au Bénin. Il a eu pour cible les acteurs de la société civile et les praticiens de l'engagement civique. Pour la cérémonie d'ouverture qui a lancé les hostilités, c'est le directeur des programmes qui a rappelé aux participants le contexte d'organisation de l'atelier. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes dans une situation alarmante où il y a des arrestations arbitraires, il y a des condamnations qui ne disent pas son nom, il y a l'utilisation anarchique du code du numérique et nous avons beaucoup de journalistes, beaucoup de blogueurs, beaucoup de défenseurs des droits de l'homme qui sont arrêtés. C'est comme si ils n'ont pas de droit, c'est comme si ils n'ont pas une voix. Il laissera ensuite la place à la directrice exécutive de CID ONG représentant les participants. Nous sommes tous au courant de tout ce qui se passe au Bénin. Et très récemment, je puis dire, j'ai le courage de dire que nous avons presque floré le non-respect de certains de ces droits-là, notamment le droit à la réunion pacifique, le droit de se réunir en association, etc. Et j'en passe. Cet atelier vient donc à point nommé pour que les droits humains, la liberté d'association, la liberté d'expression, celle de la réunion pacifique, bref, l'espace civique dans le monde, soit une réalité et que nous puissions observer à nouveau des changements positifs. La situation des droits de l'homme à l'Afrique de l'Ouest, où vous vous trouvez, appelle de la part des défenseurs des droits de l'homme beaucoup d'engagement. Selon les informations nous communiquées par le réseau ouest-africain des défenseurs des droits de l'homme, informations que nous avons partagées dans le rapport que nous avions présenté à la 67e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, cette sous-région de l'Afrique de l'Ouest a connu une explosion de la liberté d'expression et d'opinion, particulièrement à travers les réseaux sociaux, en raison de la crise sanitaire due à la COVID-19. C'est la présidente du réseau des femmes leaders pour le développement, RFLD, qui vient, après son mot d'exhortation, lancer les activités. Le réseau des femmes leaders pour le développement, RFLD, en collaboration avec son partenaire Civicus, sont honorés d'organiser cette rencontre qui réunit les ONC et les médias intervenant dans le domaine de l'espace civique et des droits de l'homme. RFLD et Civicus sont fermement résolus à promouvoir les droits de l'homme et la liberté des médias. Cette rencontre servira de plateforme pour mettre à jour, familiariser et équiper les groupes de la société civile, les blogueurs et les journalistes à travers les plaidoyers, soumission des plaintes, les litiges ou l'utilisation des mécanismes spéciaux pour faire face à des violences particulières des droits de l'homme. Cette rencontre nous permettra de renforcer les capacités d'un grand groupe de représentants des ONG, des praticiens de l'engagement civique, des journalistes, des académiciens et des avocats, afin de les doter de connaissances et de compétences pour un moyen approprié et plus efficace de s'engager avec le système des droits de l'homme de l'Union africaine. Merci encore à Civicus qui a permis cet atelier et je déclare la réunion ouverte. Je vous remercie. À la fin de la cérémonie de lancement, a enfin démarré la première journée de cet atelier qui s'est résumée en deux communications animées par le président de l'Association des blogueurs du Bénin. De résilience, puisque quand vous êtes dans ce format, vous allez recevoir des coups. Il n'y a rien à faire par rapport à ça.
Et c'est là où le réseautage est très très important. Le réseautage est très très important. Parce que le combat que vous menez, les gouvernants verront que c'est contre eux que vous menez ce combat. Ça, il faut être clair par rapport à ça. Focus sur la Commission africaine des droits de l'homme et Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que les protocoles ANES ont été différentes thématiques abordées dans le cadre de la deuxième journée avec le consultant Justin Da Silveira. De 60 ans après l'adoption par les Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme et plus de 30 ans après l'adoption par l'Organisation de l'Unité africaine de sa propre Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, on enregistre toujours de nombreuses et graves violations des droits de l'homme dans une grande partie de l'Afrique, souvent orchestrées par les États eux-mêmes. Tout ce qui s'est passé au Bénin, il faut reconnaître que la même chose, il y a beaucoup de ces choses-là qui se sont passées également au Togo. Ça s'est passé dans d'autres pays. Et c'est ça, à un moment donné, qui a réveillé un certain nombre de personnes, des juristes, un certain nombre de personnes qui se sont dit, mais est-ce qu'on va se taire pour que ça continue? Imaginez si la même chose continuait jusqu'à ce jour, où je sais que je peux sortir là avec ma moto ou bien mon vélo, et qu'à tout moment, quelqu'un peut me voir et dire, bon, descend, il prend le vélo, il s'en va. Je ne peux même pas réagir. Imaginez que pendant que vous étiez encore peut-être adolescente, on vous dise, voilà, aujourd'hui tu ramasses tel effet, tu vas rejoindre telle personne que tu n'as jamais vue. Vous imaginez un peu. Donc les gens ont vécu ça. Et ça a amené un certain nombre de personnes à un moment donné à se dire, et si on se réunissait, et si on réfléchissait sur cette question-là? Et c'est une initiative qui a été prise et qui a impliqué presque tous les pays de l'Afrique. Nous avons un service de plainte qui est très fonctionnel. Et un service de plainte composé des avocats et puis un grand juriste aussi qui est membre de notre commission. Et bientôt, ce service de plainte sera renforcé par des volontaires des Nations Unies pour nous accompagner. Aux droits de la femme et des enfants. Si par exemple, monsieur revient du champ, se jette sur moi ou se jette sur elle, elle dit non, mais je ne peux pas. Elle ne peut pas avoir le courage de le dire d'abord, parce que là, elle ne veut pas. Mais ne sachant pas ou ne connaissant pas son droit, elle ne peut pas refuser l'acte à son mari. Là, je peux parler de violation. Déjà, on ne considère pas la femme comme une personne humaine qui a droit à la dignité et au respect. Alors que la base, c'est qu'on dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux et ont droit au respect et à la dignité. Mais ce respect, cette dignité-là ne sont pas conférés à la base à une femme. Quand une fille naît, déjà, qu'est-ce qu'on dit? Sa maman a fait moyo pour le pays. Donc déjà, vous voyez cette chosification qu'on inculque déjà, même quand la petite fille naît, il y a déjà une chosification dans notre système. Et elle grandit avec, malgré qu'elle n'a pas choisi cela. Aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'il y a encore dans certaines, dans des zones rurales, des filles qui ne sont pas à l'école, des filles qui ne sont pas scolarisées? Parce qu'il y a encore de ces parents-là qui sont encore dans l'ignorance et se disent que bon, la fille, elle est là, elle doit rester à la maison et se marier, amener l'argent à la maison. Tout d'abord, il faut accepter le fait que, oui, les droits des femmes ne sont pas respectés. Mais nous devons dans le même temps situer les responsabilités. Parce que est-ce qu'il faut toujours voir si ce sont à cause des hommes que les droits des femmes ne sont pas respectés? RFD, 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 Civicus. Pour le compte de la troisième journée, c'est à Chérifa Tougounou, spécialiste genre à la Fondation Batonga, que reviendra l'insigne honneur d'animer une communication sur l'espace civique. État des lieux, défis et recommandations. L'expression, le droit à la réunion, le droit à la liberté. Je suis d'accord, vous êtes d'accord avec moi? Quand on est dans si on a la chance d'être dans un espace où personne n'est enregistré,
Tout le monde est libre de dire ce qu'il faut, ce qui lui plaît. Mais il y a des endroits où on ne nous permet pas de nous expliquer, de parler, d'avoir la libre expression, de s'expliquer, de faire des réunions. Nous sommes restreints, nous sommes limités à ça. Et lorsque tu as envie de parler et que tu n'as pas un espace pour toi-même, tu te dis, tu es offusqué. C'est comme si on t'a fermé dans une boîte. Un ensemble de droits. Ça peut être le droit à la liberté de se réunir, le droit de se mettre en association, le droit de grève, le droit de limiter. C'est cet ensemble de droits-là qui constitue l'espace civique, selon moi. Discussion, travail de groupe et partage d'expériences ont été les différents moments forts de la troisième journée. Ainsi se résument donc les trois jours de formation. Cet atelier organisé par Civicus et FDL m'a permis de pouvoir maîtriser ce qui se passe au Bénin en matière de droits de l'homme. Grâce à cet atelier, je peux fièrement défendre les droits de l'homme, connaître les méthodes que j'ai pu maîtriser grâce à cet atelier, les méthodes que les ONG peuvent utiliser pour défendre les droits de l'homme. L'approche était participative et nous avons vraiment eu le temps de débattre des questions liées aux droits de l'homme, surtout faire des recommandations dans le but d'améliorer les conditions dans lesquelles les défenseurs exercent aujourd'hui et les conditions dans lesquelles ils doivent continuer par exercer. On a fait l'état des lieux de la situation des droits de l'homme au Bénin. On a parlé des défis et on a fini par des recommandations. On dit que j'ai un sentiment de joie parce que ce fut une occasion de riches expériences, de partage d'expériences avec mes pairs. Ce fut également une occasion pour découvrir quels sont les mécanismes de défense des droits de l'homme au Bénin. Parce qu'il faut dire que beaucoup de citoyens ne connaissent pas quels sont ces mécanismes et parfois les droits sont primés, ne savent pas comment recourir, à quelle institution recourir pour se faire justice. Ainsi donc se résument les trois jours de formation. Les regards sont désormais tournés vers la deuxième vague qui débutera dès le jeudi prochain.